Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat hebdo du Rakuten et beaucoup d'Amazon concernant les soldes, donc les Amazon Prime Day comme ils ont appelé ça. On va commencer juste d'abord avec les achats Rakuten et Easy Cash parce que je vois que le premier là c'est un Easy Cash et c'est nul autre que Le Signe donc de Shyamalan, un film que j'avais pas mal regardé quand j'étais petit, qui m'avait même assez effrayé, je sais plus à quel âge j'avais quand je l'avais vu. En tout cas, voilà, je le voulais pour la collection et il se fait quand même un petit peu, difficilement trouver en France. Voilà, on peut faire un import allemand, je crois, qui a la VF, qui coûte un petit peu moins cher. J'ai pas envie de vous dire des bêtises, mais donc voilà, je l'ai eu à 7,99€. C'est un des meilleurs prix sur le marché, quoi. Ensuite, on va les présenter ensemble. Les deux premiers Austin Powers, ça c'est pareil, vous me dites si je me trompe, mais j'ai aussi l'impression que c'est des films qui sont compliqués à trouver dans leur version française. Voilà, donc je suis assez content de les avoir. Il ne manquera plus que le 3, mais le 3 je crois qu'on est obligé de l'importer d'Allemagne. Voilà, donc très heureux de les rentrer. Un film que je ne connaissais pas, mais je me suis laissé tenter par la boutique du vendeur qui vendait les Austin Powers. Les deux font la paire, voilà, Travolta et Williams. Donc très très très, pour moi c'est des très bons acteurs, oui. Voilà, je ne connaissais pas, apparemment c'est pas si fou. Mais j'avais quand même envie de voir ce que ça donnait, voilà. C'était pareil, c'était un prix assez intéressant, il était à 5€ je crois. Donc on verra ce que ça donne. Ensuite, un film que je voulais depuis pas mal de temps, ceux qui me connaissent comprendront, voilà, pour la filmo de Margot Robbie. Je pense qu'il m'en manque plus que 2 ou 3 films de Margot Robbie pour avoir la filmo. Voilà, c'est ce genre de film aussi que j'aime bien parce que elle interprète quand même des personnages des fois assez émouvants, pas toujours justement des rôles comme on l'a pu l'avoir dans Le Loup de Wall Street ou dans Diversion aussi. Donc c'est bien hein, de l'avoir aussi dans ces rôles-là. Privilégier la VO pour ce film, en tout cas, très très bon. Le pas méconnu Hardcore Henry, donc voilà, vu à la première personne. Hein, donc c'est pareil, ça, vivant en appartement, j'ai un peu du mal à me lancer à le voir. Parce que c'est tellement pas insonorisé que ça pourrait faire du bruit. C'est le genre de film que j'ai envie de voir avec le home cinéma poussé à fond, quoi, parce que pour être dans l'immersion totale. Mais apparemment, il vaut le coup, voilà. Donc je verrai quand est-ce que je pourrai le voir. Mais j'ai très très hâte de le voir. Et le petit dernier Rakuten, le November Criminal. Donc pareil, deux acteurs que j'apprécie. Donc plus que Chloé Grace Moretz qu'on voit dans pas mal de films maintenant. Mais voilà, bon, je sais qu'apparemment il n'est pas si ouf comme film. Mais pour 2 ou 3€, je voulais le voir. Donc j'ai pas hésité une seule seconde. Ensuite, donc on va passer aux achats Amazon. Donc on va commencer par des plus petits entre guillemets et puis on ira voir ça à la fin. Hop. Donc je me suis pris le code Momentum donc avec Olga Kurylenko. C'était à 5€ je crois, je ne le connaissais pas. C'est un film qui est apparemment sorti en digital mais ils ont fait quand même une sortie physique. Je sais pas du tout ce que ça vaut, c'est un film d'espionnage, donc c'est quelque chose qui m'attire assez. Après apparemment c'est pas non plus incroyable, mais bon pour 5€ peut-être que ça vaut le coup, donc à voir. Ensuite, je le possédais déjà le Independence Day, sauf que je possédais une version, la première version qui est sortie en Blu-ray. Et on m'a toujours dit que l'édition 20e anniversaire, c'était la meilleure en remasterisation, quoi. Et je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais Amazon le faisait, le bradait à 4€. Or, j'ai dit que j'allais me le procurer en meilleure qualité. Donc voilà, c'est un film que je n'ai toujours pas vu. Honte à moi. Mais peut-être que du coup, ça va venir maintenant que l'édition est bonne, quoique il y a la 4K qui est sortie. Je sais pas si l'édition 4K vaut vraiment quelque chose. Je sais pas si parmi vous vous l'avez, si vous avez la réponse. Et ensuite, là où je me suis vraiment vraiment gavé, c'est sur les Amazon Prime Day. Moi qui voulais de la 4K, je me suis vraiment servi.
C'est-à-dire que voilà, donc un des premiers que j'ai pris, c'est le Mad Max Fury Road. Il était à 13,99€, 14,99€, pardon, moins 10%. Donc il m'est revenu à 11 ou 12 euros, je crois. Voilà, donc j'ai pas hésité. C'est pareil, c'est un très bon prix pour ce Mad Max. Ensuite, idem au niveau du tarif pour le Red Sparrow. Je le voulais pour voir la filmo de Jennifer Lawrence. Bon, c'est un très bon film. Peut-être privilégier la VO parce que bon, la VF c'est pas ouf. C'est-à-dire que c'est Jennifer Lawrence qui est une agence secrète russe, malgré elle, hein, si je dis pas de bêtises. Et la VF, quand elle essaie de prendre l'accent russe, ça tue un petit peu le charme du film, à mon goût. Hein. Donc voilà, c'est un vrai master 4K. Dès que je l'ai testé, je l'ai. Enfin, ça se voit vraiment. Donc c'est cool d'avoir des vrais masters 4K ben, en 4K. C'est bête à dire, mais pourtant on a rarement du 4K sur la 4K. Ensuite, pour 19,99€, bon, j'ai trouvé que c'était un très bon prix. Ben, je le voulais, ce Spider-Man New Generation. Je l'avais vu au cinéma. Je suis un grand fan de Spider-Man. Et voilà, je me suis dit que la 4K sur ce film d'animation, ça pouvait être que bluffant. Ben ouais, c'est assez joli. Hein, et voilà, bon, ben, 19,99€, je pense que ça valait le coup. Je pense qu'en attendant un peu, je l'aurais eu à un autre prix un peu plus bas, mais bon, on vient tout juste de sortir, donc je trouve que ça valait le coup de le prendre. Pareil, pour 19,99€, j'ai pas pu m'empêcher de le prendre, ce Bohemian Rhapsody, parce que je voulais le revoir, mais je voulais le revoir en VO. Et voilà, et ça, je suis obligé d'avoir la galette, quoi. VO sous-titré parce que des fois ça m'arrive d'essayer de prendre des films, de les mettre sur un disque dur le temps de pouvoir les acheter et ma télé ne reconnaît pas les pistes de sous-titres donc bon forcément je suis obligé de me taper la VF du coup mais les films comme Bohemian Rhapsody et d'autres en VF si on peut l'éviter et ben voilà quoi et du coup j'étais obligé de prendre la 4K plus rapidement que prévu mais je suis très content de le rentrer donc 19,99€. Et j'aurais pu avoir moins 10% dessus, mais ils ont mis ce coupon-là seulement quelques heures après l'avoir commandé. Mais bon, c'est quand même un très bon prix. Ensuite, et on va garder les deux meilleurs pour la fin, enfin façon de parler, hein, parce que bon là c'est déjà pour moi beaucoup. Le Kong Skull Island, ça c'est pareil, c'est pas un de mes films préférés, mais je me suis dit que c'était un film qu'il fallait avoir en 4K. C'est pareil, il m'est revenu, je crois, comme Red Sparrow et Mad Max à 11 ou 12 euros. Voilà, donc très heureux de le rentrer. Et ensuite, je dis les deux meilleurs pour la fin parce qu'en fait, j'adore ce film-là, The Greatest Showman. Et si vous voulez, les Prime Day avaient enfin, commencé, je crois, ben, il y a en début de semaine à minuit. Et donc à minuit, j'ai pas hésité à aller voir, à fouiller. Et The Greatest Showman est à 16,99€, mais avec un coupon de moins 20%. Le coupon de moins 10%, ils l'ont mis que le lendemain. Alors je ne savais pas si c'était une erreur informatique ou pas, mais du coup, il m'est revenu à 13 euros. Et depuis le temps que je le voulais, pour 13 euros, je me suis dit, c'est carrément donné. Donc très très heureux de le rentrer. Et le petit dernier. Voilà, le petit steelbook de Ready Player One, qui comprend la 4K, la 3D et le Blu-ray. Donc à 18,99€, donc c'était pareil pour les Amazon Prime. On pouvait avoir le film dans son boîtier à 16,99€, mais pour 2€ de plus, on pouvait avoir ce steelbook. Honnêtement, je n'ai pas réfléchi. C'est un film que j'aime beaucoup. L'univers de Spielberg est tellement bien représenté, la culture geek aussi, allez, je me suis dit pour 2€ de plus, je me procure le steelbook. Il faudra que je commence peut-être à m'acheter des petits filtres de protection. Hop! Voilà pour les achats à vous présenter, surtout les achats soldes que j'avais envie de vous montrer. J'essaie d'attendre de tout recevoir pour pouvoir tout vous présenter rapidement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, le commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde!